et bienvenue dans cette nouvelle journée. Nous sommes jeudi 27 mai. Alors du coup, là, on a sauté une semaine parce que déjà la semaine dernière, avant que ça fasse des interférences, et je travaille en même temps. La semaine dernière, j'ai été pas malade, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit être malade. Mais ouais, j'avais ma migraine ophtalmique qui ne me quittait pas, donc j'ai fini par aller voir le médecin. Ça a mis quand même un petit moment, même avec un traitement à partir. C'est là d'ailleurs que j'ai appris qu'en fait il existait des traitements pour la migraine ophtalmique. Je ne savais pas que ça se traitait, donc jusque-là j'ai toujours attendu bien sagement que ça s'arrête. Sauf que le médecin il m'a dit non, normalement c'est 4 heures à 3 jours. Ah oui, mais moi ça fait 11 jours que j'ai une migraine ophtalmique, monsieur. Bref, voilà. Et puis, donc, comme vous pouvez le voir, le décor a changé puisque cette semaine, enfin ce week-end et cette semaine, j'ai déménagé pour revenir dans mon ancienne maison. Voilà. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais voilà, les choses se sont améliorées. C'est une bonne chose. Tout le monde est content. Champagne, enfin bref, voilà. Du coup, jusque là, j'avais pas filmé parce que c'était un peu le bazar, les allers-retours. Enfin, j'en ai fait que deux, mais et j'ai pas encore fini de tout ramener ici. J'ai encore une grosse partie à l'appartement. J'ai ramené tout ce dont j'avais besoin pour travailler. Et j'ai une partie d'une pièce qui me sert d'atelier en attendant que mon atelier soit terminé, que je vous filmerai plus tard, peut-être dans la journée, et ça dépend en fait si j'ai fini ça, parce que là je suis à la bourre du fait du déménagement, je suis à la bourre sur le projet professionnel, sur le côté tout court professionnel, c'est pour ça que je me permets de vous parler en même temps que je travaille. Et puis vous voyez pas ce que je fais. Bref, j'ai donc reçu. Alors en fait, je vais faire du blabla là, et après je vous montrerai. Je ferai des petites séances où je vous montrerai, mais comme ça, ça me permet de faire la grosse partie blabla là. Et pour moi, ça va aller plus vite parce qu'en plus après, il y a des filles qui vont rentrer de l'école dans 2 heures. Donc voilà. Donc j'ai reçu la commande de Hobby. Je vous avais dit que j'avais commandé des cotons pour faire la dinette pour le calendrier de l'Avent. Ouh, je vais faire beaucoup de ça. Pour le calendrier de l'Avent de la Mimi. Donc ma commande est là, je vous en parlerai un petit peu plus tard, je vous la filmerai. Je devais la filmer pour mettre sur Instagram parce qu'en fait il propose Hobby. Alors je trouve ça un peu rigolo de faire ça après. Moi j'aimais rien, enfin j'ai gagné une fois un truc. Mais c'est parce que je savais pas que je participais. Pour celles et ceux qui ne me suivaient pas à l'époque, il y a trois ans, je ne sais plus, ça remonte maintenant. J'avais fait le Nitish. Et en fait, il y avait un tirage au sort et j'avais gagné un des sacs à projet de Margeva. Donc c'est la seule et unique fois où j'ai gagné quelque chose. Mais voilà, je pense que c'est parce que je ne savais pas que je participais à un concours. Sinon, je n'aurais pas gagné. Bref, tout ça pour dire que Hobby propose de faire un unboxing. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un unboxing, c'est quand vous recevez une commande et que vous l'ouvrez en filmant. Alors moi, bien entendu, j'ai déjà ouvert ma commande, hein. Ça fait pas une semaine que j'attends patiemment de pouvoir filmer pour ouvrir. Déjà ne serait-ce que pour vérifier que la commande soit complète, puisque la première fois que j'ai commandé chez eux, il me manquait 4 pelotes qui m'ont... Ils ont fait une enquête pour voir où ça avait pêché et ils me les ont renvoyées tout de suite à leurs frais. Enfin, franchement, j'ai rien à dire sur leur service après-vente. Très très bien. Enfin, en tout cas, moi, de l'expérience que j'en ai eue. Après, je pense que c'est comme tout, hein. On a tous des bonnes et des mauvaises expériences avec les mêmes sociétés. Il suffit des fois d'être pas là le bonjour, de pas avoir de chance. Oh, ah non, faut pas faire ça.
Bref, du coup, dans cette commande, j'avais demandé à recevoir. Je dis ça comme si j'avais demandé que c'était un cadeau. Non, j'ai acheté, bien sûr. La pelote qui me manquait pour terminer le mini hoodie Unbearable de ma mini. Je ne vous le montrerai pas puisqu'elle est partie avec aujourd'hui. Le seul jour où il fait 25 degrés, elle part avec son. Enfin, j'ai ça. Moi, j'ai mon pull. Mais en fait, quand vous êtes en plein soleil, il fait super chaud. Et dès qu'on est à l'ombre ou dans la maison, il fait quand même assez frais. L'air est quand même frais. Donc, la mini, elle est partie avec son pull à capuche. À mon avis, elle va pas avoir froid à l'école avec ça. Elle en est ravie. On a pris des photos un peu rigolotes ce matin. Donc, je vous les insérerai. Sinon, vous pouvez aller voir sur Ravelry. Je vous les insérerai à la fin. Je n'ai pas vérifié si c'était le même bain, mais j'ai vérifié la couleur et elle est identique. Je n'ai aucune démarcation. Donc, ça, c'est chouette. Après, ça ne m'aurait pas choqué. Voilà. Cassis, ça va pas. Ok, c'est pas grave. Ça va pas être pratique, Cassis, là. Et je peux pas vous montrer, mais j'ai Cassis qui vient de squatter mes genoux. Ron Canel est heureux comme un coq en pâte. Là, il a retrouvé l'extérieur, le jardin. Alors, Cassie, son bon chat d'appartement, reste à l'intérieur, sauf le soir où elle va faire son petit tour. Mais alors, Ron Canel, il est dehors et avec Gnocchi, mon gros chat noir. Au début, ils sont un petit peu chamaillés. Et puis là, ils se mettent à deux pour chasser les autres chats qui essaient de rentrer dans le jardin. Bref, je disais donc que je suis très contente de pouvoir avoir terminé ce pull, que ça ne m'aurait pas dérangé s'il y avait eu une différence de bain, c'était pas catastrophique. Et ben, il me restait juste vraiment le dessus de la capuche là à faire et les oreilles. Et qu'est-ce que. Ah oui, j'ai commandé aussi de quoi faire des chaussettes. Alors je sais pas si je prendrai le patron que je suis en train de faire actuellement, donc les bas Strippy Dandy de Charlie Couture. J'aime beaucoup la cadence des rayures 5 rangs, 5 rangs. Après, je vous dis que je ne sais pas si je reprendrai son patron pour faire les autres, tout simplement parce que là, c'est un talon en œil de perdrix. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à préférer le talon en rang raccourci. Donc, ce qui après, c'est pas, il suffit d'adapter sa cadence de rayure à ma recette habituelle hein, que je fais tout le temps. Ça, c'est pas, du coup, faire un mix des deux, c'est pas un problème. J'ai quasiment terminé la première chaussette pour Ellie. On a essayé ce matin, donc elle sait déjà qu'elle l'aura dans le calendrier de l'Avent, mais ça, c'est pas. D'ici là, elle n'aura pas oublié, mais. Voilà, elle sera toujours très contente de les avoir à Noël, enfin au calendrier de l'Avent, donc avant Noël. Donc il me reste plus que la pointe à faire pour sa chaussette à elle. Non mais Cassie, c'est pas pratique. En plus, je suis en collant, elle va me filer mes collants. Ensuite, j'ai commandé dans cette même commande du coup. De quoi faire le Superstitious. Sweater. Alors, donc je vous disais, il s'agit du Superstitious Pullover et pas Sweater de Michael Swan. Et donc, c'est un modèle avec du jacquard. Oula. Avec des. Donc, il y a des toiles d'araignée, des chats. Je vais essayer de faire en sorte de zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Et des grilles des têtes des sœurs de Hocus Pocus, des trois sorcières. Est-ce qu'on va voir? Voilà, donc là il y en a une. Donc c'est un modèle qui est gratuit. Voilà, là vous avez les trois. Donc c'est un modèle qui est gratuit. Et donc j'ai commandé de la mérino, un mélange mérino et coton. De chez Hobby. Alors, je vous remets. Voilà. Tac, je vous fixe, je vous recadre, tout est bon. Donc voilà, je vous montrerai ça un petit peu plus tard parce qu'il faut vraiment que j'avance. Je suis vraiment, vraiment à la bourre. En tout cas,
Je suis très contente d'avoir passé cette commande. J'en ai eu... Je sais plus, je vous dirai ça quand je vous la montrerai. Je sais plus exactement pour combien j'en ai eu. Non, je sais plus. Parce qu'en fait, j'ai passé aussi... Donc là, je vais parler un peu boutique. Pareil, je vous ferai une petite vidéo que je vous insérerai après. J'ai commandé aussi chez mon grossiste de pierres naturelles. J'ai recommandé des pierres. Et de la mercerie, pour pouvoir vous proposer un peu de mercerie. Donc j'ai commandé et j'ai reçu, puisque du coup j'ai reçu ça hier. Hier ou avant-hier. Oh, c'est trop... Je vais vous montrer, vous allez trouver... Enfin, j'espère que ça va vous plaire. Donc en fait, ce grossiste-là fait des pierres naturelles, mais pas que. Vous pouvez aussi trouver des apprêts pour faire les bijoux, des pinces, des, voilà, plein de choses. Il propose aussi de la mercerie, donc par exemple des ciseaux coupe-fil que j'ai pris pour vous proposer en boutique, que moi je trouve très pratique. Alors c'est pas tout à fait la même chose, ceux-là c'est des mondiales tissus, mais je prends plus en plastique parce qu'en fait ils se sont cassés. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que je les utilise, il faut bien que je pense à appuyer pour resserrer bien les lames entre elles et qu'elles coupent. Bon, ils fonctionnent quand même, hein. c'est pas un gros souci, mais voilà. Et donc j'en ai commandé en métal pour vous proposer ça. J'ai commandé des petits ciseaux un peu plus travaillés, un peu plus ajourés. J'ai commandé des arêtes mailles. Des embouts pour les aiguilles à tricoter. Oui, donc voilà, c'est là où je voulais en venir. Et en fait, il propose aussi des perles. Donc, j'en avais déjà pris. Moi, j'avais pris des champignons qui sont en verre et qui sont faites à la main, une par une. Donc là, j'ai pris ces petits bottillons, des petites. Enfin, du coup, ça fait genre des petites chaussettes avec des petites fleurs dessus. Et donc je vais en faire des progrès skipper pour les chaussettes. J'ai commandé aussi des petits boutons pour pouvoir vous proposer quelques boutons. Alors c'est pas une quantité énorme, hein, on s'entend. C'est un investissement. Et du coup, je suis emmêlée en dessous de mon tambour. Du coup, voilà, j'espère que ça vous plaira et que... Et que voilà, ça vous plaira. Sachant que du coup, j'ai un deuxième grossiste qui m'a répondu, mais qui ne fait pas tout à fait la même chose, chez qui je peux avoir des chiaogu, des livres comme le livre Tricoter ses chaussettes, le livre de Longue avec Adna sur le... je sais plus lequel. Enfin bref. Donc je pense que là, par contre, je ferai peut-être un sondage, parce que c'est pareil, ça reste un investissement. Et si ça intéresse certaines personnes, je le ferai peut-être en sous format de précommande. Sachant qu'il y a un kit chiaogu qui m'intéresse, que je voudrais pouvoir vous proposer, et qui est un kit d'aiguille double pointe en bambou ultra résistant, machin là. Et pour faire les chaussettes. Et ça m'intéresserait vraiment de pouvoir vous le proposer, sachant que j'ai tout le matériel, il faut que je le fasse. Mais bon, après, c'est toujours pareil, c'est une question de temps, et puis je peux pas trop me disperser. Mais j'ai de quoi me faire un ourdissoir. Donc un ourdissoir, c'est pour... comment je pourrais dire ? Faire un écheveau immense, en fait. Ce qui va permettre de faire de l'autorayant pour les chaussettes. Et donc, je voudrais pouvoir vous proposer de la laine, 100% laine de pays en laine à chaussettes. Et il faut que je vois avec mon fournisseur, parce que lui il fait du fil d'Aubusson, et le fil d'Aubusson pourrait permettre de doubler pour la pointe et les talons, comme par exemple quand vous achetez la laine chez, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est chez Lang, oui c'est ça, celles qui sont sous format de boudin, là, à l'intérieur vous avez une petite bobine de fil de renfort pour les talons et les pointes pour faire les chaussettes. Donc, parce que c'est surtout ces parties-là qui s'usent. Voilà, je crois que c'est à peu près tout en blabla. Je vais vous laisser parce que là j'ai des fils à rentrer et si je lève le tambour vous allez voir ce que c'est.
Et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Si, oui, je veux juste vous parler. Je suis allée à Mondial Tissu, ça aussi. Je suis allée à Mondial Tissu et j'ai racheté du tissu pour vous faire des sacs à projet qui différents, qui changent un peu. Et du coup, j'ai repris, j'ai testé. Parce que, y avait plus les aiguilles que je prends. Enfin, ils n'ont pas la marque des aiguilles que je prends d'habitude. Et donc, j'ai pris chez Bohun. J'ai pas pris leur marque à eux parce que j'étais un peu déçue au niveau des aiguilles machine à coudre. J'en ai beaucoup qui ont cassé très, très rapidement. Et donc là, ce sont les Bohun brodés la soie au prix de 2,99 €. Les... Est-ce qu'il y a marqué le nombre de pièces dedans? Ça serait logique que oui. 15 pièces. Et bah franchement, elles sont peut-être encore un chouïa grosses pour moi. J'ai pas de numéro. Il n'y a pas de numéro. Mais elles sont peut-être un chouïa grosses pour moi, mais la qualité elle est vraiment bah, c'est beau, hein. Voilà, il n'y a pas à dire. Enfin, moi en tout cas, j'ai jamais été déçue, que ce soit les aiguilles pour les machines à coudre ou le reste, même les épingles, je prends normalement, je dis pas de bêtises, je prends du beau, hein. Voilà. Bon, bah c'est tout. Je vous reprends un petit peu plus tard. Alors, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. J'ai fait une pause dans le boulot pour vous montrer un petit peu c'est la pièce qui va pour le moment me servir d'atelier, qui en fait est la salle de bain. Là, je suis dans la douche. Voilà, bref. Alors, c'est le bazar. J'ai pas terminé de ranger. Et surtout, j'ai pas terminé de tout sortir. Et j'ai tout réorganisé pour trouver bien les choses. Voilà, il me restera qu'une, comment dire, qu'un tri des patrons à faire, mais au moins tous les patrons de couture sont là. Donc je vais vous montrer ça. Alors, je vais voir si je peux peut-être vous monter un peu. Prendre la sincère. Hop là. Donc. Je vais fermer la porte parce qu'en fait, y a le chien qui est. Alors, donc en fait, quand on rentre, comment je peux voir? Alors, j'ai pas énormément de recul. Enfin, c'est quand même une grande pièce, hein, mais. Voilà, donc là, c'est qu'il y a du bazar. Hop, il y a la porte. Quand on rentre. Donc, c'est en cours de travaux, puisque ici, on avait en fait cette cloison tout là. Tac, 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 tac. Bref, jusque là-bas, ça n'existait pas. Désolée pour le plan rapide. Et toute cette partie-là de mur très moche avec des écritures partout. Ça, c'est les calculs pour le placo, hein, n'est-ce pas? Pour la douche. Cette partie-là, c'est l'ancienne partie qui, elle, va être démontée complètement et remontée. Puisque le placo avait été fait de manière assez aléatoire, va-t-on dire. Bref. Donc, pour la partie qui vous intéresse, hein, le placo, vous en fichez. Donc, quand on rentre, j'ai mis ici mon étagère avec. J'ai sorti les peluches. Ça, c'est une poupée que j'ai depuis ma naissance qui m'avait été offerte par mon parrain. Ma petite marmotte que j'ai aussi depuis ma naissance. Fine que j'ai tricotée l'année dernière pendant le premier confinement. Une petite renarde. Alors, elle s'appelle Ellie. Je vous en avais parlé dans les podcasts. Je crois que c'est Rasmus le rat qui est fait dans les laines que vous pouvez retrouver dans la boutique. Qui sont d'ailleurs, je crois que celles-là, c'était les restes de mon soldatna. Et mon petit lama Pedro que Laurine m'avait offert. Et Laurine, elle a le frère de Pedro, je sais plus comment il s'appelle. Tout ça, c'est des choses que j'achète au fur et à mesure pour vous faire gagner. Donc un jour, je ferai un concours. Hein. C'était pas comme si. Voilà. J'avais dit que je ferais dans le dernier épisode, depuis j'ai eu complètement, mais alors complètement oublié de le faire, bref. Là, on a un carnet que Laurine m'a brodé. Ah, et qui me sert pour le travail. Derrière, on a les. Alors, tac. Les cartes de visite et j'ai récupéré une boîte. Ouh là, j'essaye de pas trop vous. Une boîte de bouillon de cube de chez Lidl qui me sert en fait puisque j'ai fait
J'ai fait plusieurs cartes pour les échantillons à mettre dans les commandes. Donc voilà, faut que j'en refasse bien sûr, mais je suis déjà contente d'avoir pris le temps de faire celle-là. Je rangerai ça après. Quoi que je vais ranger maintenant en fait, parce que déjà qu'il y a plein de bêtes dans son bureau. Hop, mon petit carnet pour le travail. Et ça, je vais les utiliser. Donc c'est ma maman qui me les avait donnés. Je ne vous ai pas montré. Je vais les utiliser. Donc c'est du coton perlé DMC. Et je voudrais faire des marque-pages style sachiko avec. Voilà. Non, c'est pas que je voudrais, c'est que je vais. Mais là pour le moment, je suis. Alors je vais vous poser deux secondes. Comme ça. Voilà. Pour refermer la boîte correctement, parce que c'est une boîte. Elle est d'origine celle-là. Hop. Et j'aime beaucoup cette boîte. Je la trouve très belle. Voilà. Ensuite, donc là, on a. Tout ce qui est tricot. Donc ça c'est, je vous avais dit, il faut que je fasse un échantillon. Ça c'est la paire des bases Trippy Dundee pour ma grande. Et ça c'est une laine que j'ai achetée à Action l'autre jour et qui en fait. Allez Serge. Ah j'ai pas ma deuxième main de lit pour faire focus. Attendez, je vais poser ça. Donc c'est la variété sequin, et donc comme son nom l'indique, il y a des sequins dedans, voilà. Et je vais l'utiliser pour faire une robe à ma mini, j'en fais souvent. C'est juste un petit plastron en tricot avec un grand pan de tissu qui descend. Voilà, désolé pour le grincement, c'est la porte, il y a un courant d'air. Donc là, j'ai mon matériel de blocage pour le tricot, tous mes crochets, toutes mes aiguilles. En dessous, attention, on va prendre l'ascenseur. Hop là. En dessous, j'ai mes cotons à broder, ma loupe qui fait, hop là, qui fait lumière. C'est magique. Ça, je l'ai acheté à Lidl. J'ai dû payer 5 ou 6 euros, je crois. Voilà. Ça, c'est donc mon col qu'il faut absolument que je brode. Là-dedans, c'est de la bisée. Donc ça, c'est pas de la broderie, mais comme le sac, il est brodé. Je vous repose. C'est donc de la laine bisée en coloris aventurine qui a pas trop cuit, mais qui a pris trop vite dans le bain. Donc j'ai des ombrages qui se sont faits. Et du coup, vu que je voulais faire un kit châle, voilà, un kit châle pour la boutique, faire un grand châle à 3 échevaux bicolores, j'ai gardé ces échevaux pour faire le patron du châle. Donc là, hop, et le troisième écheveau qui lui a pris. Ça a pris trop vite. Voilà. Ce qui moi ça me dérange pas en fait. J'aime bien quand il y a de la nuance. Je sais pas si on voit. Bon, je remonterai ça quand. C'est pas pour tout de suite. Hein, mais il a déjà son petit sac parce que j'avais commencé en fait à faire un modèle qui finalement ne m'allait pas. J'ai changé d'avis entre temps. Donc alors attendez, je vais. Voilà. Et du coup, j'ai tout défait et je reprendrai à zéro. Là-dedans, j'ai... Ça, c'est un rangement pratique, c'est pareil, j'avais acheté Action celle-ci. Je vous parlais tout à l'heure des aiguilles à broder, donc c'est cette marque-là que j'utilise. Et c'est les numéros 10, les plus fines que j'utilise d'habitude. Donc là, j'en ai plus. Là, ce sont les soies. Donc là, vous avez des soies de... Des soies de Marie Foyer, qui datent, celles-ci, elles sont d'époque. Hein. Ça date de quand je faisais des salons avec ma mère en région parisienne. Hop. Elle fait de la dentelle au fuseau avec les soies de Marie. Ça, ce sont des cotons, je vous avais montré l'année dernière, teint la main que j'ai acheté pour l'homme. Et j'ai aussi des rubans. Que j'avais acheté pour faire de la broderie au ruban, pareil, teint par Marie Foyer.
Voilà. Le reste, c'est du coton Action. Ensuite, en dessous, si j'arrive à pas vous faire tomber. Ici, j'ai tout ce qui est aquarelle, carnet de tricot, feutre et aquarelle, feutre aquarellable, enfin crayon aquarellable, pardon. Et en bas, c'est tous mes patrons de tricot que j'ai imprimés et les livres de tricot. Mon panier, le magnifique sol, bien sûr. C'est juste une chape de béton. Ici, j'ai mon matériel, hop là, studio photo, caché. En dessous du bureau, j'ai des boîtes avec du tissu, alors que dans celle-ci, il faut que je fasse le tri dans mes cartons de tissu pour remettre ou pas dans celle-là. Là, le bureau. Alors, j'ai trouvé des pieds à Ikea à 8 euros au coin des bonnes affaires, et on avait un ancien dressing qui avait été démonté et mis dans la grange quand on a acheté la maison. Et donc, j'ai récupéré en fait les deux parties qui étaient à la base l'angle. Et je les ai fixés ensemble pour me faire un grand bureau. Donc là, vous voyez, j'étais en train de trier les perles, les apprêts, tout ça pour les anneaux marqueurs et tout. Puisque je vais donner en plus toute cette partie-là, là, c'est des perles et des apprêts à bijoux que je vais donner à mes filles, puisque je ne les utilise plus. Donc autant qu'elles, elles se fassent des bijoux avec. Là-bas, j'ai une de mes travailleuses avec tout ce qui est petits ciseaux de rechange, les pompons maker. Ah, attends, je fais la chaise que je vais rehousser. Parce que elle est un peu abîmée, hein, celle-là. Ça se voit pas, hein, vous avez l'impression qu'elle est flambant neuve, mais non. Pas du tout. Ça d'ailleurs, c'était un tissu, un modèle tissu, je crois. Voilà, donc là, j'ai mon rasoir, les pompons, les étiquettes. Qui me reste des chevaux, mes ciseaux, ma première paire. Alors, j'ai les matites de ma grand-mère, ma première paire de ciseaux brodés que ma maman m'a offerte. L'éponge à côté, c'est cadeau. Hein. Comme quoi, je nettoie. Vous voyez, la preuve à l'appui, je nettoie. Et je vais vous montrer. Alors, j'ai du fil à quilter aussi. Mais certaines aiguilles à broder, mais c'est plus. Pas vraiment moi qui l'utilise celle-là. Mon premier dé à coudre. Alors, peut-être comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est un chat! Voilà, ça c'est mon premier dé à coudre. Ah bah alors, il est plutôt jeune hein, celui-là. Sachant que moi, comme je fais rouiller le métal, je peux pas mettre de dé à coudre, mais je le garde précieusement. Au-dessus, tuc, on monte. Ça, ce sont mes boîtes avec mes petites pinces, les épingles à nourrice. Là, j'ai toutes mes aiguilles de rechange pour la machine à coudre. Mes affiches d'Hayao Miyazaki que j'adore. Ma poupée sert du patron de Ludivine Rose. Dire oui là. Alors, elle, c'est pas comme ça. Elle s'appelle Betty, je crois. Non, je sais plus. Si, je crois que c'est Betty. Mes filles m'ont ramené hier du centre de loisirs. Parce qu'hier, on était mercredi, elles sont allées au centre de loisirs. Elles m'ont fait une tasse pour mon atelier. Hop. Et j'ai un niveau dedans. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de dépasser la pointe du bas du cœur. Hein, elles m'ont dit, c'est le niveau. Voilà. Donc quand je me ferai un thé, hein, j'aurai même le niveau. Là, nous avons une boîte avec les craies, tout ce qui est nécessaire de couture. Ma surjeteuse, les ciseaux. Cette boîte qui est très pratique pour les canettes. Parce qu'au début, j'en avais une basique en plastique qui n'arrêtait pas de se casser. Et donc, celle-ci est très bien. Je l'ai trouvée à Mondial Tissu. Mais enfin, je pense qu'en même temps, vous pouvez la trouver. Attendez, je me pose. Je pense très honnêtement que vous pouvez la trouver partout à Rascol. Et en fait, elles sont pratiques parce que. Il n'y a rien qui tombe. C'est magique. Pardon. Bon, là, il y a du bazar. Il faut que je trie, que je range. Ça, il faut que je trouve un endroit. C'est ma première... Oula. Je nettoie. C'est ma première broderie traditionnelle.
que j'ai fait en cours de broderie que je prenais avec ma mère en région parisienne. Dans les cartons. Et donc, là j'avais fait un papillon brodé avec les soies de Marie. Ça c'était avec de la laine. Pareil, ça c'est broderie au ruban. Ça c'est de la soie aussi. Là j'avais mis des petites perles. Voilà. Et donc j'en avais fait une trousse. Trousse dans laquelle rentrent parfaitement mes accessoires de surjeteuse. Regardez-moi ça. C'était pas fait exprès, mais franchement. C'est magnifique. Faut vraiment que je lave. Donc ma première broderie, c'est... Il faudrait que je vous retrouve, je sais pas où il est mon livre. Un jour, je vous montrerai mon livre de modèle. Bref. Ah oui, ça c'est ma petite victoire du jour. Je suis très contente. J'avais récupéré ça de ma mémé. C'est un renard sculpté dans une noix. Et en fait, la tache était cassée. Et donc, je lui ai refait une attache comme ça, je vais pouvoir le reprendre. Il me semble que c'est dans une noix du Brésil. Qui est bien sûr. Elle se mange pas, elle est dure. Voilà. Ensuite, ça je vous montrerai. Hop, je vous montrerai après, mais là, ça c'est mon cale-porte renard. J'ai la commande de chez Obi, le chiffon poussière, après la. Après l'éponge crado, des guirlandes d'Halloween d'il y a 2 ans qui n'ont toujours pas été défaites, mais bon, ça restera là. En plus, c'est raccord avec voilà, avec mon point de croix qui est derrière. La robe qui n'est toujours pas terminée, c'est pas grave. Devant la fenêtre, parce que pour moi, c'est le meilleur endroit, c'est la planche à repasser, parce que je travaille beaucoup sur la planche à repasser. J'ai donc ramené mon étagère. D'ailleurs, Bouddha tourne le dos, il va falloir que je change ça. Avec mes plantes qui ont un peu souffert du déménagement. Voilà, là après c'est donc ma centrale. Ça c'est parce que je voudrais pas tarder à mettre ça sur mes aiguilles. Du travail en cours pour la boutique et des coutures en cours perso. Là, ça après ça va être rangé. J'ai fait une boîte, j'ai trié. Pour mettre tout ce qui est thermocollant, les colles à tissu, les patchs de raccommodage, voilà. Donc ça, après, ça va aller dans les étagères. Ma Jeannette, qu'il faudrait que je réhousse, parce que, voilà, voilà. Mon ancien fer à repasser avait tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup fuiter. Ici, ça va, c'est en cours de tri. Là-dedans, j'ai un tissu que je suis allée acheter chez Mondial Tissu. Et une laine que j'ai teint qui devait être orange. Voilà, elle est corail, elle n'est pas du tout orange. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec ma balance. C'est de l'alpaga. Et du coup, bah, c'est pas grave, je vais la garder pour moi. Et en fait, je voudrais me faire comme je vais faire pour la mini. Faire une robe avec cette partie-là haute en laine avec le Nausicaa de Audrey Borrego, il y a un flex. Et au début, j'avais pris ça pour la mini, mais ça va pas aller avec la laine. Oh bah zut alors. Donc ça risque de terminer pour moi et je lui prendrai un autre tissu pour elle. J'ai trouvé cette planche. Alors attendez, est-ce que ça va dans les accessoires qui seront à trier après. Hop, ça n'a rien à faire là. Normal. Pour les photos, pour le studio photo. Hop. Ça, c'est une super carte postale que j'ai reçue. Hop. Que je vais accrocher. Là, il faut que je trie les boutons. C'est le fameux lot que je vous avais dit qu'une de mes copines. Parce qu'une de mes copines m'avait ramené de Nose. Je crois qu'on est à la fin de la batterie, donc je vais me dépêcher. Et ensuite ici on a, donc là ce sont mes sacs à tricot, du tricot à défaire qui va pu, qu'est-ce que j'ai, mon truc de rembourrage, mes tapis pour bloquer la laine et toutes mes fibres à filer. Ici ce sont les jerseys. En cours de, enfin qui ont un projet à titrer, ça c'est un projet qu'il faut que je fasse pour ma fameuse copine au bouton.
Ensuite, là, j'ai tout ce qui est ruban, biais, fermeture éclair. Et ici, ce sont les tissus pour les sacs à projet. Donc ça, ce sont toutes les doublures. Hop. Et là, les tissus principaux, sachant que du coup, j'en ai racheté. Et j'ai racheté du Monségur de couleurs différentes pour changer du naturel. Et ensuite, hop, je bouge un peu la travailleuse. Ça, c'est pas du tout à moi. Et c'est trop lourd, je n'ai pas pu l'enlever. Les patrons hommes-enfants, les patrons femmes, mes cônes, les bobines de fil. Là-dedans, il y a 2-3 trucs de scrapbooking aux filles. Là, c'est ma boîte que j'avais fait en technique de cartonnage. Pour ranger mon matériel de broderie sachiko. Ça, c'est ma pile de patrons à trier. Une oreille d'elfe, c'est tout à fait normal. Hop, mon petit cheval que j'ai pareil, voilà, depuis que je suis toute petite. On est très conservateur dans la famille. Mes patrons d'Irendo pochette, voilà. Et puis tout ça, ça va changer, bien sûr, parce que là, en fait, vous voyez, il y a un peu de mercerie. Oula, il y a un peu de bazar. Ça, c'est des pompons qu'il faut que je mette pour la boutique. Ça, c'est un projet pour les tutoriels gratuits sur le blog. Et là, j'ai donc mis tout ce qui était les pressions, les boutons à jeans, les U pour les sacs, les pressions métal. Et donc en dernier, et c'est ce qui m'a pris beaucoup de temps ce matin, ma travailleuse, ma grande travailleuse, comme ça, qu'il faut que je ponce et que je refasse entièrement, puisque dans les déménagements successifs, elle a pris des tâches. Bon, ça c'est bien sûr, c'est du café, hein, nous sommes bien d'accord. Mais en fait là, elle a pris des tâches que je n'arrive plus à enlever. Donc c'est pas grave, je vais la poncer, je vais la refaire. Et dedans, c'est tout mon matériel pour la boutique. Alors je vais vous montrer ça. Tant que j'ai encore un peu de batterie. Voilà. Et je vais vous poser. Comme ça, ça sera plus facile. Alors, oh là, pour la première fois, je suis dans le bon sens et je vois qu'il me reste plus que 8 minutes à filmer, ce qui sera largement suffisant. Donc j'ai commandé chez mon grossiste des nouveaux sachets. C'est pas ceux-là. Ceux-là. Bon, en fait, qui sont des sachets comme ça qui. Hop. Serge. Et puis en plus, niveau luminosité. Voilà, ce sont des sachets qui se referment comme ça. Bah, si vous voulez vos petits anneaux marqueurs, les laisser dans le sachet et mettre dans votre sac à projet, vous pouvez. Puisqu'avant, c'était des sachets comme ça. Et en fait, ils se collent, mais ils sont pas réutilisables. Du coup, ça me plaisait pas. Ah, bah allez. Bref, ça ne me plaisait pas, mais il fallait quand même... Voilà, ils étaient achetés, donc il fallait quand même que j'aille au bout de mon stock. Hein. Donc ici, il y a toutes les pinces, les fils crinelles dont je vous ai parlé la dernière fois, avec tous les différents coloris. Triés, rangés, c'est magnifique. À l'intérieur, j'ai donc... Oh, c'est magique. Alors, est-ce que je peux l'orienter? Non, moi, j'ai pas la place. Avec les différentes pierres. Hop, donc voilà, j'ai des woolites, des jade, des métals. Les fameuses... bottes. Sérieux, c'est pas trop mignon. Allez, moi la mise au point. Voilà, ce sont des petites chaussures. Voilà. Celles-ci, ce sont des nouvelles que j'ai reçues en même temps que les petites chaussures. J'essaie de... Voilà. On va essayer de rien faire tomber, jouer comme je suis. Hop, ici, on a du jade, des hématites non magnétiques, celle-là, de la pierre de lave, du grenat, du lapis-lazuli, de l'unakite, celle-ci, je ne sais plus, il faut que je regarde, du goldstone, ça j'adore le goldstone. Ça fait...
Oh ben non, c'est trop petit. Si, si. Voilà. Ça brille. Celles-ci sont toutes... c'est que de la pierre naturelle. Hein. Il n'y a pas d'imitation. Ça, sont des tout petits sachets qui me restaient. Donc, que je vais utiliser aussi pour les Progress Keepers. Et celle-ci, je m'étais trompée. J'avais pas regardé la taille. Hein, et en fait, c'est de la woolite naturelle. Elles sont, je sais pas si vous voyez la taille de ma main à côté, elles sont immenses. Si ça vous intéresse, dites-moi, mais moi personnellement je trouve ça trop gros. Alors, sauf si on tricote en vain, mais sinon voilà. Il me restait, donc j'ai pareil faire des petits Progress Keepers, des champignons en verre, comme les petites bottes. Il a vu les pinces derrière, il me fait là. Voilà. Des perles en métal. Donc là, j'ai mes petites perles en bois. Là-bas, ce sont des perles railleurs. Là, c'est le stock qui est en vente sur le site. Là, ça fait partie des après. Et ensuite, de ce côté-là, dézoomer. Hop, ça on va ranger. Ça, mais je sais pas si ça sert vraiment. Je pense que maintenant tout le monde sait comment ça sert. J'avais fait ça au début d'ailleurs, en plus c'est à mon ancien nom. C'est pour expliquer à quoi servent les anneaux marqueurs. Et donc je mettais avec les anneaux marqueurs. Et les bracelets contrants. Et puis dessus j'inscrivais la pierre. Parce qu'après ils sont plus au bon nom. Donc ici. Hop là, j'ai tout ce qui est les barrettes à cheveux. Hop, les mousquetons, les breloques. Là, ce sont des apprêts, les perles à écraser, les anneaux, tout ça. Les mousquetons que j'utilise pour faire les Progress Keepers ou les attaches. Ceux qui servent à attacher. Les anneaux marqueurs en lot pour pas les perdre dans le sac. Et là, c'est de la mercerie que je vais vous proposer. Alors ça, j'ai retrouvé ça, je suis trop contente. Ce sont des boutons hibou que j'avais fait pour faire un trench coat à ma grande quand elle avait, je crois, elle avait 4 ans, je crois. Elle était en école maternelle, donc en fimo, je les avais fait, je trouve trop mignon. Et donc en boutique, vous allez pouvoir retrouver des petits ciseaux, hop, comme ça, des coupe-fils, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont là, des boutons, des aiguilles, voilà, je ne prends pas plus de temps que ça, parce qu'en fait, il me dit qu'il ne me reste plus de temps sur ma batterie, et si, voilà, ça vous l'avez vu, je les ai pris turquoise, et je suis trop contente, les petits boutons, en fait, je les trouve trop beaux, ceux-là, oh là là, ceux-là, j'aime tellement. Je les aime tellement. C'est en bois. Ou noix de coco. Non, noix de coco, pardon. Ça, c'est en bois. Des petites pommes. Je vois trop un gilet avec ça. Donc, voilà. Donc, tout ça, il va falloir que je prenne des photos, que je mette en vente sur le site et que je finisse de ranger mon bazar. Alors, voilà. Du coup, ça, c'est ma boîte de coton. Sachant, je sais pas pourquoi, j'ai des laines à chaussettes qui sont venues se glisser là-dedans. Sachant que le ambre, je ne l'utiliserai pas pour faire ça. Donc ça, c'est du ambre de chez Cheval Blanc que j'avais utilisé pour faire les petits lapins. Pour le... Mince, je vais y arriver. Pour Pâques. Ça non plus, je vais pas utiliser parce que c'est pas du tout la même qualité. Ça, c'est Créative. Je crois que j'en ai une avec l'étiquette, mais c'est ça. C'est coton Créative de Rico Design. Et j'avais de quoi faire un truc pour ma grande avec ça. Donc ça c'est de côté. Oh, cette couleur là, je vois pas bien ce que je pourrais faire avec. Ça va avec ça. Alors j'ai du noir, j'ai du violet plus aubergine, ça c'est plus prune, du coup. Qu'est-ce que vous allez voir?
Bon, ça a l'air d'être pas trop mal niveau coloris. Ça, faut que je vois pas trop ce que je ferai avec. J'ai ces deux-là qui seraient pas mal pour les champignons. J'ai besoin de blanc pour aller avec le citron. Ça, c'est du ambre, donc je vais pas l'utiliser. Le gris, je n'en aurais pas besoin. Le bleu tardis, non plus. Ça, c'est... Ça n'a rien à voir. J'en ai deux de violet. Je peux faire plusieurs aubergines. Rose, vert là. Peut-être pour le blanc des poireaux, je ne sais pas. Le gris, je vais voir si on a besoin. Ça n'a aucun rapport, c'est pour faire un top. Aïeux. J'ai encore un peu de beige comme ça. Du gris, il n'y en a pas besoin. Bon, je pense qu'on est pas mal. Le mauve, je vais le sortir quand même au cas où. On s'en va regarder. Ça, c'est du ambre. Hop, ça va là. Et ça, c'est du ambre aussi. Il faudrait que je les trie ensemble, en fait, que je mette à imiter. Et ça, c'est du fil bambou. Aucun rapport. Ça, c'est du ambre aussi. Bon, bah voilà, j'ai sorti Oui, c'est bon, j'ai tout sorti. J'ai dit le gris, je ne l'ai pas sorti, mais je vais quand même sortir. On va regarder ça. Ça ne fasse pas très très naturel du gris, mais. Alors. Hop. J'essaie de vous mettre mieux. Du coup, je peux faire. Ah, c'est dommage, mon vert pour la poire, ça va pas. J'ai pas de vert qui va pour la poire. Donc, il n'y aura pas de poire. Il y aura une clémentine. Alors, je vais noter en même temps. Et comme je suis... Si, oh là là, j'allais dire comme je suis très organisée, de manière très ironique. Donc, je peux faire une clémentine. Avec ça. Ensuite... J'ai pris qu'un seul orange. J'ai pas été très maline. Avec le jaune, je peux faire jaune et beige comme ça. Je peux faire banane. Hop, c'est mieux. Vous voyez mieux comme ça. Même si le jaune, il fait plus citron que banane. Mais je peux faire... je vais noter comme ça. Banane. Sachant que je ferai peut-être pas tout, parce que j'aurai peut-être plus... Je peux faire du coup le citron. Cerise. Alors j'ai pris ce rouge là, mais ça c'est plus tomate. Et ça c'est plus cerise. Donc ça c'est bien ça. Ça. Et puis ouais, au niveau des verts. Oh si, c'est pas mal. Bon, c'est pas le même ton que elle, mais ça c'est pas catastrophique. Donc je peux faire les cerises. Je peux faire les petites framboises et les petites mûres avec, avec cela. Donc, mûres. Ah, mais non, mais je suis nouée. Je vais faire ça plutôt. J'ai... Oh, ça fait très... ça fait alcoolo le bruit de bouteille, mais... Ça traîne, il faut que je la mette au garage et quand je fais les sirops de sureau, tout ça. Et ça, c'est une vieille bouteille qui était dans la maison quand on a acheté et elle a toujours pas bougé. Alors, on va faire ça comme ça plutôt. Donc j'ai dit poire, je peux pas. Pomme, j'ai pas dit pomme. Pomme, je peux. Je peux faire pomme. Je peux faire clémentine, j'ai dit. Je peux faire banane. Ça fait déjà 3. Je peux faire le citron. Je ferai le citron entier par contre. Je ne pense pas faire le demi. Parce que j'ai pas deux. Vous voyez, c'est plus c'est deux teintes de jaune en fait. Et j'ai qu'une seule teinte de jaune. Les cerises. Et les framboises et les mûres.
Les fraises, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de les faire, les fraises. Le kiwi, non, c'est pas terrible. J'ai pas de verre kiwi, donc je vais pas faire le kiwi. Par contre, je vais faire la petite prune. L'abricot, j'ai pas. La pêche, j'ai pas. Mais je vais faire la petite prune. Donc là, déjà, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est déjà pas mal, là. La tomate, j'ai dit, je la fais. L'aubergine aussi. Ah, j'en ai attrapé deux. Ça fait 9. Oh, bah, je vais en avoir même trop. Ça non, ça non. La carotte, je vais faire une carotte. Et je voulais faire le chou-fleur. Mais le chou-fleur, je ne sais pas si. Parce que j'ai que ça en blanc. Bon, avec des cheveux, tiens, charmant. Je vais voir, peut-être. Et puis à la limite, le chou-fleur, vu que c'est le plus gros, ça sera pour le dernier jour. Et, ah oui, c'est ça, je voulais faire les champignons et un potiron. Donc là, j'en ai deux. Donc je vais en avoir plus. Donc à la limite, ce que je ferais, c'est que les autres, je lui mettrais en cadeau de Noël. Et après, ce sont les explications. Parce que là, moi, j'avais compté. J'avais compté. Et du coup, il y a des verres qui ne vont pas me servir dans ce que j'ai pris. J'avais compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh ben, on est pas mal, hein? Du coup, voilà. Il y a peut-être des petites choses comme les toutes petites comme ça, ou peut-être les cerises qui seront soit pas faites, soit faites plus tard. On verra. Allez, eh ben, je vais mettre tout ça de côté dans un sac à projet et je vais ranger le reste et je reviens pour vous montrer les. Ben non, je vais vous montrer tout de suite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Ce que j'ai commandé, donc j'avais pris pour faire des chaussettes rayées pour moi-même. Pour faire des chaussettes d'Halloween, j'ai pris donc c'est de la Mayflower. Super wash wool et nylon, donc violet et vert. Je suis très contente parce que niveau luminosité, vous avez les bonnes couleurs. Oh, celle-ci est un peu plus pétante, mais ça se trouve en mettant sur mon ordinateur, ça va être bien. Et orange et noir. Et ensuite, pour faire le pull dont je vous ai parlé hier, le Superstitious, j'ai pris. Où est ma verte? J'ai une verte normalement. J'ai pris ces quatre coloris-là, sachant que le coloris principal, ça sera donc le noir. Voilà, bah comme ça, je vais aller vider ma carte mémoire et je vais essayer de bosser un petit peu, parce que j'ai du mal hein, ce matin à décoller. En fait, j'ai qu'une envie, c'est de prendre le vélo, le chien et de partir. Mais c'est pas bien, c'est le jour où on travaille aujourd'hui. Alors on travaille.